Bonjour, c'est Marjolaine, la première femme à avoir été élue députée fédérale d'Hochelaga. Comme vous le savez peut-être, j'ai décidé de ne pas me représenter pour un troisième mandat et à 64 ans, de prendre ma retraite et de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Je suis très heureuse de la relève dans Hochelaga. Catherine est une femme vraiment exceptionnelle, une fonceuse pleine d'idées et qui est là pour les bonnes raisons. Elle connaît très bien ses dossiers comme le logement ou la crise des opioïdes parce qu'elle vit dans Hochelaga et qu'elle travaille avec moi dans le quartier depuis 8 ans. Avec Catherine, c'est la continuité, mais en même temps, un nouveau vent de dynamisme. Et vous pouvez être sûr que dans Hochelaga, le NPD va continuer à défendre les grands enjeux importants comme le logement abordable, l'environnement, les transports en commun et l'accès au fleuve. La lutte dans Hochelaga va être très serrée. Puis on a besoin de vous pour garder Hochelaga progressiste. Pour la première fois de l'histoire politique d'Hochelaga, on a des élus de gauche à tous les paliers, à Montréal, à Québec puis à Ottawa. Puis ça veut dire qu'on va être capable de réaliser des projets d'envergure puis de s'attaquer aux défis auxquels le comté fait face. Le 21 octobre, dans Hochelaga, votez pour le NPD, votez pour Catherine Roy-Goyette.